Suite et fin aujourd'hui des grands entretiens spéciaux que vous propose France Inter depuis la semaine dernière, avec tous les jours une tête de liste aux européennes. La campagne est donc bientôt terminée. Aujourd'hui, avec Yael goz nous recevons celle qui emmène la liste Renaissance Parti, La République en Marche. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de France Inter. Progressiste contre populiste, progressiste contre nationaliste, c'est la lecture que fait le président de la République de l'État l'état des forces politiques en présence en Europe. Vous avez naturellement fait campagne en cherchant à imposer ce clivage, si la position de l'autre camp est claire, une Europe minimale, la souveraineté retrouvée de la France, le contrôle strict des frontières, on peine encore à comprendre ce que serait une Europe progressiste. C'est l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été, c'est toujours plus d'Europe pour réparer les manques de l'Europe, c'est l'ouverture contre la fermeture. Qu'est-ce que l'europe progressiste. alors d'abord on n'a pas essayé d'installer un match il est là il est là malheureusement moi je préférerais avoir en face de moi au coude à coude des partis qui s'intéressent à l'europe différemment de nous. la réalité c'est que en face de moi au coude à coude, c'est un parti qui veut déconstruire l'Europe. C'est malheureux et ça n'est pas seulement en France. Aujourd'hui, il y a des élections aux Pays-Bas. Sont au coude à coude les progressistes du parti du Premier ministre Marc Routeux face à une extrême droite. Extraordinairement violente, celle d'un dénommé Thierry Baudet. Donc c'est une réalité européenne. Alors, Il ne faut pas voilà, refuser de la ils, nommer. Ils avancent en Europe, vous leur opposez ici en France l'idée d'une Europe progressiste. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a pas assez demandé à l'Europe. Ça veut dire qu'on a laissé l'Europe être un grand marché, un espace de paix, tant mieux. Et ça, nous le reconnaissons, nous sommes reconnaissants de cet héritage. Ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, L'Europe est fragile parce qu'elle n'a pas assez traité les injustices sociales à travers le continent, parce qu'en euh, matière fiscale, elle n'a pas avancé d'un millimètre parce que, sur le plan de sa sécurité, elle s'en est remise pendant des décennies aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut se réveiller. L'Amérique de Donald Trump s'intéresse à l'Europe surtout comme client et surtout en la morcelant. Donc, on n'a pas assez demandé à l'Europe. Et même en matière migratoire, on n'a toujours pas trouvé de solution européenne. Parce que les populistes n'en veulent pas, eux, ils veulent vivre du problème. Donc, une Europe progressiste, c'est une Europe qui fait revenir le progrès en Europe. Le progrès technologique, on a accepté, nos prédécesseurs ont accepté, qu'il se passe ailleurs. En imaginant qu'on pouvait encore avoir une grande révolution technologique nationale. Ça n'existe pas. C'est en Europe qu'on aura la révolution technologique du 21e siècle. Yael Goz. En tout cas, on a changé d'ambiance, Nathalie Loiseau. Il y a deux ans, Emmanuel Macron, il ouvrait son quinquennat par ah ouais l'hymne à la joie devant ouais la pyramide du Louvre. Et maintenant, on est passé de l'hymne à la joie des débuts à l'hymne à la peur. C'est Yves Bertoncini, l'ex-président de l'Institut Jacques Delors, qui le dit en oui. ces termes C'est une campagne contre pas une campagne pour que vous faites. Est-ce que vous le regrettez Au contraire, ce que je regrette c'est de pas pouvoir parler assez souvent de mon projet. Ce que je regrette de cette campagne, c'est que ça a été beaucoup des petites phrases et des punchlines et que finalement pour rentrer dans le projet, c'est plus compliqué. Beaucoup de partis politiques en France sont venus à la campagne des européennes parce qu'il y avait une élection mais pas parce qu'il y avait l'Europe. Notre projet Ils est... disent que vous avez volé l'élection, euh, C'est partis que vous venez de critiquer. Ils le disent, Nathalie Loiseau, que le match, entre guillemets, euh, Rassemblement national, La République en marche, c'est celui de la présidentielle que vous rejouez là. Donc ah. euh, c'est vous-même qui avez tout intérêt à faire ce, ce duel plutôt qu'à ouvrir le jeu franchement vous ne découvrez pas la critique vous l'avez entendue pendant l toute l la campagne de la part de têtes de liste qui déplorent et moi aussi d'être aussi bas dans les sondages moi aussi je déplore que des partis traditionnels qui combattent le rassemblement national soient aussi faibles. la différence entre eux et nous c'est que nous nous avons une possibilité de le battre c'est pas fait ce n'est pas gagné, mais on peut y arriver. C'est une énorme différence parce que c'est une absolue nécessité. Mais je voudrais reparler du projet parce qu'en en effet, en effet j'ai ce regret, cette frustration, que très peu ont parlé du projet pendant cette campagne des Européennes. Nous, ce que nous proposons aux Français en Europe, c'est de redresser la tête c'est de se dire que euh, on peut construire un avenir meilleur, moins incertain, moins inquiétant, que c'est possible et que l'europe peut nous y aider. on a entendu l'europe, qualifiée de tous les mots pendant cette campagne, c'est une vieille habitude française, tout est toujours de la faute de bruxelles. et au niveau national, on serait tellement meilleur. moi, je suis désolée. aujourd'hui, si on veut lutter contre le changement climatique, on a besoin d'un investissement européen massif. si on veut avoir les champions industriels, de demain, c'est au niveau européen que ça va se passer parce qu'en face, les, les compétiteurs, ce sont des continents c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde. Comment expliquez-vous qu'une fraction euh, importante de l'électorat européen ne croit plus à ce que vous venez de dire et qu'on pourrait dire dans un certain nombre de langues, croit même exactement l'inverse parce que très longtemps, très longtemps, des politiques nationaux se sont essuyés les pieds sur l'Europe. Et très longtemps, euh, les partis traditionnels, pour lesquels j'ai évidemment beaucoup plus de sympathie que pour le Rassemblement national, mais ils ont co-géré l'Europe, j'allais dire, à la pépère, une espèce d'Europe du statu quo. Or aujourd'hui, tous les défis dont on parle, ce sont des défis pour lesquels il n'y a pas une minute à perdre. L'urgence climatique, on sait que c'est tout de suite Alors parlons-en si de, de l'urgence climatique, ça tombe bien le projet, parlons-en. Il y a eu une lettre aux Européens, écrite ouais. par Emmanuel Macron début mars, qui insistait beaucoup sur les frontières et la protection. Et puis il y a le livret programmatique, votre programme, ouais. qui a été publié le 9 mai, dans lequel on voit en priorité, en tête de gondole du projet, l'Europe verte. Est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que c'est vraiment écolo Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Renaissance, la liste écologiste à votre avis, s'il y a Pascal Canfin sur cette liste, s'il y a Pascal Durand sur cette liste, si elle est soutenue par Daniel Cohn-Bendit, est-ce que ça vous garantit pas qu'on a un engagement fort d'écologie de solution C'est Ce vous les écolos aujourd'hui en France. C'est nous qui pouvons peser, c'est nous qui pouvons changer les choses. C'est vous l'écologie efficace alors C'est l'écologie, exactement, c'est l'écologie efficace parce que nous allons constituer un groupe au Parlement européen sans lequel aucune majorité ne sera possible. Et cette priorité climatique, cette priorité écologique qu'on voit monter dans un pays comme l'Allemagne, Pierre Aski le disait très bien, il ce que nous voulons faire, c'est secouer les vieux partis. Pourquoi ça monte en Allemagne Parce que malheureusement, la CDU s'en est pas emparée, parce que malheureusement aujourd'hui, l'Allemagne, elle émet deux fois plus de CO2 que la France, parce qu'elle a des centrales à charbon, et qu'il y a aujourd'hui une jeunesse partout en Europe qui a conscience qu'il faut agir tout de suite, que sinon il est trop tard. Comment vous faites pour dire que vous êtes la liste écologiste en France, alors que, au, au sein de, des 79 noms que mmh. compose votre, votre liste, on, on trouve par exemple en quatrième position Jérémy de Serle, ouais. ancien des jeunes agriculteurs, pro-FNSEA à l'époque, et Pascal Canfin, en numéro 2, ex-WWF. Ouais. On peut être les deux en même temps Mais il faut être les deux en même temps. Moi, je ne ferai non mais jamais. On peut être les deux en même temps Mais il faut être les deux en même temps. Jérémy de Serle, il partage tout ce qu'il y a dans le projet. Il partage toutes nos convictions, tous nos engagements. Mais moi, je ne vais pas faire de l'écologie contre les agriculteurs ou sans les agriculteurs. On ne va pas diviser. Les Français les uns contre les autres, avec les bons et les méchants, il faut trouver des solutions ensemble. Sur le glyphosate, par exemple, nous sommes déterminés à sortir du glyphosate en 2021. Pour le moment, il y a des solutions pour 90% des territoires en France. Qu'est-ce qu'on fait avec les 10% qui restent On les punit, on leur dit tant pis pour vous, euh, ruinez-vous, on vous laisse tomber. Non, il faut accompagner tous ceux qui doivent sortir du glyphosate et mais plus généralement des pesticides mais en laissant personne sur le bord de la route. Yannick Jadot, ici même, à ce micro hier, Nathalie Loiseau, euh, voyez votre tardif verdissement comme de l'opportunisme politique de, de fin de campagne afin d'aller assécher non pas des marais mais un certain nombre de réserves électorales, notamment euh, chez les Verts. Et il vous renvoie systématiquement aux deux premières années de bilan des manifestants Macron euh, en la matière. La conversion à l'écologie, euh, vous avez été touché par la grâce, là Et que dites-vous aux, aux écologistes anciens qui se battent depuis toute leur vie politique et qui disent euh, ⁇ Attention, c'est de l'arnaque, c'est du greenwashing ?⁇ Les écologistes anciens, en tout cas Yannick Jadot, parce qu'il y a beaucoup d'écologistes que je connais depuis très longtemps, parce qu'en ce qui me concerne, c'est un engagement très ancien. <coughs> Yannick Jadot, il a une conception patrimonial de l'écologie. Il pense que l'écologie, c'est dans un seul parti et que les électeurs qui se préoccupent de la planète lui appartiennent. Il devrait se réjouir qu'il y ait davantage de partis politiques aujourd'hui en Europe et notamment en France qui prennent au sérieux l'urgence climatique. En réalité, il s'en désole. Qu'est-ce que ça a apporté D'avoir Yannick Jadot depuis dix ans au Parlement européen. Est-ce que l'Europe a fait un bond en avant en matière écologique Ça ne tient pas, pas sur ses seules épaules. Bah, Est-ce que c'est pas le, vous le savez Mais bien Bien sûr. Et heureusement qu'on arrive avec une conviction écologique. Il devrait s'en réjouir. Et demain au Parlement européen, on travaillera avec les Verts. On travaillera avec tous ceux qui portent cette urgence climatique et écologique. Ah, donc toute Comme la nous... guerre de campagne, en fait, ça, c'est rien. Ce ne sont que des mots et des postures. Pas Tout des le mots... monde se retrouve lundi matin ou un peu. Plus tard, pour travailler ensemble. C'est ça ce que vous nous dites. C'est tout sauf des mots et des postures. Enfin, j'espère. J'espère que Yannick Jadot, quand on fera des propositions au Parlement européen pour lutter contre l'urgence climatique, ne sera pas dans des postures en disant si c'est pas moi, je dis non. Nathalie Loiseau, opportunément, vous ouvrez ce matin un Conseil de défense écologique, le premier du genre, Alors vous, à pas moi. Trois jours. Enfin, ancienne ministre, vous suivez ça de près évidemment, Édouard mmh. Philippe, douze ministres autour d'Emmanuel ouais. Macron ce matin, pour euh, lancer encore plus ce mmh. virage vert dont, dont vous parlez. Vous avez des annonces concrètes à dire en matière d'écologie ce matin Il va se passer quelque chose ou c'est juste de l'affichage Alors, je vous rappelle que je ne suis plus au gouvernement, mais, mais ce que je rappelle aussi, c'est que Nicolas Hulot avait fortement demandé, c'est lui qui a inventé ce concept de conseil de non, défense mais le concept écologique. Mais est-ce que la, co la coquille est pleine ou elle est vide je suis convaincu qu'elle est pleine. Je suis convaincu qu'il y aura des mesures fortes. Quoi Mais c'est pas à moi de les annoncer avant le Conseil de défense écologique. J'imagine que ça vous ferait plaisir de les avoir sur France Inter en avant-première. C'est pas mon rôle. Mais je suis absolument convaincu de l'engagement de ce gouvernement. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas de Ce gouvernement, c'est le premier à avoir décidé la fermeture de toutes les centrales à charbon. En France. C'est pas fait encore. Hein. Le pro... Mais c'est décidé. Hein. Bah bien sûr que ça, décidé, prend, du Et ça prend du temps. Mais pourquoi ça prend du temps À votre avis, pourquoi ça prend du temps Parce qu'on ne peut pas mettre en péril l'approvisionnement d'électricité en France. Fermer, si on n'a pas une solution de remplacement, ça veut dire couper mmh. le courant. Oui, Alors enfin, ça, vous, vous le savez aussi, Nathalie Loiseau, c'est aussi le gouvernement qui a vu partir Nicolas Hulot ouais. en disant euh, la politique des petits pas ne suffit pas, ne suffira plus. Il n'y a pas de prise de conscience au sein de cette équipe euh, politique et on va à la catastrophe. Donc euh, je veux bien que vous ayez un œil vert sur votre programme, mais il euh, y a quand même un, un arbre au milieu du paysage et c'est Nicolas Hulot qui a, qui a tiré les leçons idéologiques et politiques de sa présence parmi vous. Et personnel. Moi, Nicolas Hulot, c'est quelqu'un pour qui j'ai non seulement de l'estime, mais de l'amitié. Je pense qu'il a été malheureux comme ministre. Euh, je, je le conçois. Euh, j'ai envie de dire à Nicolas Hulot qu'on va le surprendre. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas une minute à perdre. Ce Conseil de défense écologique, il était temps qu'il se réunisse. Ceux qui disent pourquoi le réunir maintenant, il faut attendre, il faut se tourner les pouces pendant l'urgence climatique. Il faut dire que pour des raisons politiques, on ne fait rien avant un scrutin. Mais enfin, bon il sens. Il vous soutient ou pas Il a, il a transmis un message. Euh, on vous se pouvez, parle souvent. Vous vous parlez souvent, mais vous pouvez vous prévaloir de, de son soutien. Je ne parle jamais de quelqu'un à la place de cette personne. Jamais. C'est un principe, parce que je détesterais qu'on parle à ma place. Parlons de la suite. Les auditeurs, pardon. pardon Nicolas. Après le 26 mai et le 27, il y a la recomposition, ouais. la composition des groupes au Parlement européen. Ce mmh. sera un, un élément clé. Et poursuivre votre cohérence politique, vous voulez refonder un groupe euh, central, centriste qui s'appelle l'ALDE aujourd'hui. Quatrième force au Parlement européen, dans lequel euh, siège un parti tchèque. Anneau, celui du Premier ministre tchèque Andrzej Babis, oligarque, anti-immigration et soupçonné d'avoir détourné des dizaines de millions de fonds européens. La police tchèque veut même l'inculper. On a connu plus progressiste comme partenaire. Vous allez faire le ménage après Alors on a déjà fait le ménage sur Alde Roumanie. Euh, vous connaissez peut-être ce parti qui euh, soutient un gouvernement qui aujourd'hui euh, encourage la corruption, empêche la lutte contre la criminalité et contre la corruption. Moi, je vous parle du Tchèque Babis. Oui, mais je voudrais euh, faire un détour pour la, par la Roumanie, pas pour changer de sujet, mais pour dire aussi, parce que j'entends Laurent Vauquier et François-Xavier Bellamy, ce qui me désole, euh, se euh, ruer dans les fake news, dire que nous voulons que la Roumanie entre dans l'espace Schengen. Nous avons dit. Le président de la République a dit il y a deux ans que le moment venu, quand la Roumanie aurait répondu à tous les critères, elle était la bienvenue dans Schengen. Aujourd'hui, en Roumanie, la corruption gangrène le pays. Le gouvernement fait tout pour éviter cette lutte contre la corruption. Donc c'est non à l'entrée. Et la sur Roumanie la question de Yael Goz Sur la question de Yael Goz, sur le parti de Monsieur Babic. Il y a un parti. Il y a un premier ministre. Ce premier ministre, il y a des soupçons contre lui. Il faut que la justice fasse son travail. S'il doit quitter le pouvoir, ce sera une affaire intérieure tchèque. Après, il y a une énorme différence entre la République tchèque et un pays comme la Pologne, un pays comme la Hongrie ou un pays comme la Roumanie. Aujourd'hui, en République tchèque, la justice n'est pas menacée, la presse n'est pas menacée, les libertés ne sont pas menacées. Qui ait un soupçon sur L'utilisation de fonds par le Premier ministre tchèque, c'est à la justice tchèque de le gérer. Vous faites du partenariat à géométrie variable, on a l'impression. La LDE est une vaste pas du auberge tout. espagnole. Pas là. du tout, parce que moi je suis ferme sur les valeurs, et les valeurs en République tchèque ne sont pas menacées. En revanche, les Républicains, quand ils disent qu'ils continuent à travailler avec Viktor Orban, qui muselle la presse et qui met la justice à sa botte, ils ne protègent pas la civilisation européenne. La parole aux auditeurs d'Inter. Françoise, bonjour et bienvenue à l'antenne. Bonjour. On vous écoute. Je, je voulais demander à madame Loiseau si elle est consciente que toute confrontation est excluante et qu'en voulant obliger les gens à choisir dans cette confrontation qui est organisée avec le RN, ils ne vont pas empêcher des électeurs de voter pour les partis qui ont leur adhésion, alors que l'AREM et RN ne leur conviennent pas du tout. Ils nous foutent les élections européennes en l'air, tous les deux. Voilà. Vous avez l'impression, Françoise, qu'on vous a volé cette campagne Je pense qu'on est en train, oui, de la voler. Et cette chose arrive grâce à la REM et au RN. Merci, Françoise. Euh, Nathalie Loiseau vous, vous répond. Il y a 34 listes qui se présentent aux élections européennes. Il y a des débats. Tous les soirs. On ne peut pas dire que quiconque vole la campagne. Mais est-ce qu'on doit fermer les yeux? sur le danger de la montée des extrêmes-droites en Europe. Est-ce qu'on doit ne rien dire et faire comme si de rien n'était Quand ces extrêmes-droites sont les marionnettes de Vladimir Poutine, quand M. Badin parade à Paris en disant « je veux atomiser l'Union Européenne et je soutiens Marine Le Pen », il faut se boucher les yeux et les oreilles oui, mais vous, Il ne faut pas le dénoncer suscitez, eh bien, écoutez, il faut le vous dénoncer. Vous voulez susciter le réflexe de vote utile, euh, de vote « surtout pas ça », de vote « c'est nous » Le chaos, euh, c'est notre Europe ou plus d'Europe. Vous jouez sur ce biais là qui est un biais ancien dans la vie politique française, Nathalie Loiseau. En dernière Demorand. instance, en dernière instance, c'est là-dessus que vous jouez. Mais Nicolas de Morand, c'est pas un jeu. Moi, je suis très sérieuse. C'est là-dessus que vous voulez agir, ou Ça... c'est le levier que vous oui. voulez mobiliser si le verbe jouer ne vous, euh, vous plaît pas Ah, il ne me plaît pas du tout, parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ce n'est pas du tout un jeu. Quand vous avez de l'homophobie qui monte, quand vous avez de l'antisémitisme qui monte, quand vous avez de la xénophobie et du racisme qui monte, quand vous avez de l'autoritarisme qui, qui monte, quand vous avez les libertés menacées, ce n'est pas un jeu, Nicolas Demorand. Alors, on peut continuer à faire comme avant. On peut dire qu'on n'a rien vu, rien compris, rien appris de l'histoire. Moi, c'est un combat. Oui, je le mène parce que je nomme l'ennemi parce que cet ennemi il peut nous miner de l'intérieur et on peut se réveiller demain et il sera trop tard. Enfin vous Alors, entendez je... la colère de cette euh, auditrice électrice euh, ben, je vous Françoise. La mienne. Je vous demande d'entendre la mienne. Euh, cette électrice, elle est libre de voter pour qui elle veut, elle a de la chance. Elle est en 2019 en France, la, la liberté est totale, les médias sont complètement libres, la justice est complètement libre. Et bien qu'elles se disent bien qu'il y a des partis en Europe qui veulent mettre fin à ça. Cette, si cette, cette situation de duel, de duopole stérile comme dit notre auditrice, est-ce que ce n'est pas la conséquence aussi de vos erreurs de campagne Avoir nationalisé le scrutin dans une circonscription unique, c'était le mmh. choix d'Emmanuel Macron très tôt dans le quinquennat, euh, ça a amené forcément à cette polarisation est-ce que vous reconnaissez ah bon une forme d'erreur dans le la manière de mener cette campagne Mais Yael Gauz, 2014, vous vous souvenez C'était un scrutin régional. Quel est le premier parti qui est sorti de l'élection à ce scrutin régional Le Rassemblement national. À l'époque, il s'appelait le Front national. 24 députés au, dé au Parlement européen qui, soit n'ont rien fait, soit se sont servis dans la caisse, soit. Puisqu'ils ont été condamnés, il y, a, il y a une condamnation qui a été prononcée par le tribunal de, de l'Union européenne, soit ont voté systématiquement contre les intérêts des Français. Ce n'est pas une question de liste nationale ou Alors, de liste Alors, je vais au bout de ma régionale. question, madame je vais au bout de ma question. Si Emmanuel Macron est monté en première ligne, ouais. comme il l'a fait là, est-ce ouais. que c'est aussi à cause de vos erreurs s'il est monté en première ligne, c'est parce qu'il pense qu'il y a un danger pour l'Europe. Il en est convaincu et il veut que tout le monde l'entende. Et je vous rappelle... Il n'a pas dû être tête de liste, Je, par vous, défaut. Ra je vous rappelle, Yael que qu'en septembre 2018... Jean-Luc Mélenchon a démarré la rentrée en disant Les Européennes, ce sera le référendum anti-Macron. Je vous rappelle que euh, Jordan Bardella, Marine Le Pen ont passé leur campagne à dire On va mettre une claque à Macron, on va mettre la fessée à Macron, ça donne le niveau du débat, pardon, euh, on va faire un référendum anti-Macron. Eh bien, il serait le seul, Emmanuel Macron, à mmh. ne pas répliquer à ces attaques. Heureusement qu'il réplique. Philippe est en ligne depuis Strasbourg. Bienvenue, Philippe. Bonjour Nicolas Desmorans, bonjour Yaegoz et merci pour la grande qualité de votre matinale. Bonjour Madame Loiseau. Bonjour. Euh, voilà, moi je pense que le danger de la montée des extrêmes, c'est un vrai danger. Mais on n'est pas obligé de tomber dans le premier piège venu. Le match euh, RN euh, République en marche, c'est un faux match. Je vais vous dire ma pensée, je suis extrêmement déçu. Pourtant j'ai voté avec une très grande conviction et beaucoup beaucoup de foi en Emmanuel Macron il y a deux ans. Euh, ma décision pour dimanche elle est prise. Je vais pour la première fois de ma vie voter euh, pour un parti écologiste. Euh, je vais le faire parce qu'il manque une chose fondamentale dans votre approche. Ça s'appelle la sincérité. Et, et voilà. Et ça, on, voilà, je, je travaille dans la communication. Je sais ce que c'est que la communication. Mais en fait, on, vous pouvez faire tous les efforts de communication. Le manque de sincérité, il est trop visible. Merci. Je vais pour la première fois de ma vie écologiste. Pourtant, il y a des postures de gauche. Auquel je, je n'adhère pas, mmh. mais l'urgence écologique est trop, trop importante. Merci Philippe pour euh, cette intervention. J'ajoute celle de euh, Céline. J'ai voté pour le président. Il m'a déçu niveau environnement, donc je ne voterai pas pour En Marche. Je n'ai plus confiance car ils n'ont pas respecté leurs engagements. Je voterai Europe Écologie Les Verts. Voilà ce qu'on nous dit également au standard. Nathalie Loiseau sur l'absence de sincérité de euh, cette liste et de ses engagements euh, en matière de d'écologie et d'environnement quelle est votre réponse eh bien la différence de philippe moi je travaille pas dans la communication et peut-être que je ne suis pas une très bonne communicante mais moi je suis dans la sincérité moi si je fais de la politique c'est pour Permettre à mes enfants de vivre sur une planète habitable. Et je suis désolée, mais depuis deux ans, on a mis fin à l'exploitation et à l'exploration des hydrocarbures en France. On est le seul pays européen à l'avoir fait. Depuis deux ans, on aide à la conversion vers les voitures propres. On aide à la conversion vers les chaudières propres. On met. Euh beaucoup d'argent et je pense qu'on devra en mettre encore davantage dans l'isolation thermique des logements. Simplement, si on veut aller plus loin, il faut aussi le faire au niveau européen. La taxation du kérosène, par exemple, elle est indispensable, mais elle est infaisable dans un seul pays parce que elle créerait une concurrence déloyale entre les compagnies aériennes. Il faut la faire cette taxation du kérosène, il faut la faire au niveau européen. La taxe carbone à l'entrée euh, sur le marché, on ne va pas le faire au niveau national. Il n'y a que le Rassemblement national qui pense que on va fermer les frontières de l'Union Européenne et s'en sortir mieux comme ça. Mais il faut la faire au niveau européen. Avec Tout qui, ça c'est Vous entendez quand même euh, ces deux auditeurs, il y en a ouais, d'autres, j'aurais ouais. pu euh, lire d'autres interventions, notamment sur l'application France Inter, qui ne vous croient pas euh, Nathalie Loiseau et qui vous disent c'est de l'opportunisme ou de la triangulation comme on dit en cuisine politique, on va mettre un pied chez les verts comme ça on affaiblit les verts, on va mettre un pied du côté de l'écologie comme ça on, on rapatrie l'écologie chez nous. Est-ce que vous, vous l'entendez ça Mais c'est de la défiance. C'est de la défiance vis-à-vis -vis de toute la classe politique. Et s'il n'y avait pas de la défiance vis-à-vis -vis de toute la classe politique, il n'y aurait pas aujourd'hui euh, un taux d'abstention annoncé aussi élevé. Je le déplore. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un coup euh, vers les verts, un coup ailleurs. C'est que aujourd'hui, on a sur notre liste des écologistes convaincus, engagés, et j'en fais partie. Pascal Canfin en est un, Pascal Durand en est un, Daniel Cohn-Bendit nous soutient, mais j'en fais partie. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis dans cette campagne. C'est pour porter cette urgence climatique. Et à la différence d'Europe Écologie Les Verts, je suis désolée, mais nous, nous allons pouvoir au Parlement européen. C'est sympathique d'avoir bonne conscience en se disant euh, je vote pour quelqu'un qui me ressemble. Mais si ce quelqu'un il, il, il bruise quelque part au coin du Parlement européen et qui réunit aucune majorité, à quoi ça sert Vous n'en voilà. réunissez voilà. pas non plus. non plus de majorité. Vous si il n'y a pas une majorité qui peut se faire sans nous au oui, Parlement ben, si européen, les, les Verts font le même raisonnement. Plus ouais. les Verts seront importants au Parlement européen, plus il sera difficile de se passer d'eux dans ces grandes il le... Formation de compromis. Mais regardez, depuis plus de dix ans, les Verts, ils voient passer les trains dans l'Union européenne. Nous, nous serons le troisième groupe. On met fin à cette espèce de cogestion entre la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle. Ils doivent compter avec nous et avec notre priorité écologique. vous Très rapidement, vous vous revendiquez vous 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 du libéralisme, Nathalie Loiseau, la journaliste du Monde, notre consorien de chemin, sera mmh. convoquée la semaine prochaine par la DGSI, ouais. section des atteintes au secret de la défense, pour ses articles sur l'affaire Benalla. Vous trouvez ça normal, après déjà des convocations il y a quelques jours de la cellule d'investigation de Radio France pour des révélations sur les armes françaises au Yémen alors je pense que euh, il faut garder la tête froide. Moi je ne sais pas, je ne sais pas l'objet de la convocation. Je ne veux pas parler sans savoir et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent sans savoir sur cette question. Je comprends. Ça commence à faire beaucoup, non Je comprends que euh, la question qui est posée, c'est euh, d'avoir donné l'identité de quelqu'un qui travaille dans les forces spéciales et du coup de mettre en danger cette personne pour son travail. C'est ce que je comprends, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur et je ne suis pas à la DGSI. Ceci étant, vous avez raison, ça fait beaucoup. Et ma conviction, c'est qu'on a un devoir de vigilance extrême sur la protection de la liberté de la presse, sur la protection de la liberté des sources, sur la protection des sources pardon, mmh. et ce danger, il existe aujourd'hui clairement en Europe, j'y reviens, en Hongrie, en Pologne, Aujourd'hui, les journalistes sont menacés. Il y a eu l'année dernière deux journalistes assassinés dans l'Union européenne. Faisons attention, là encore, les extrémistes hum. veulent la peau de la liberté de la presse. En France, on a la chance d'être dans un état de droit. Nathalie Loiseau, merci d'avoir été au micro de France Inter. Vous emmenez la liste Renaissance, République en marche. Bonne fin de campagne. Merci.